La silhouette élancée et le visage photogénique. À 18 ans, Mégane Mauduit gravit les marches du mannequinat une par une. Du haut de ses 1m74, la jeune fille a récemment décroché la sélection pour le casting national de l'agence Elite. En cadeau, une journée shopping dans les rues de Paris et un conte de fées qui commence. Bah, franchement, depuis toute petite, les mannequins, je les vois comme des princesses. Et j'ai toujours voulu être une princesse. Et quand je vois... Enfin, au début, on se fait chouchouter, maquiller, coiffer. C'est comme un rêve. Et comme pour toute belle histoire, il faut un petit signe du destin. Un coup de pouce venu de ses deux amis, Ellie et Maude. C'est eux qui ont motivé Mégane à participer à ce concours, en concurrence avec 800 autres candidates. Mégane, elle savait très bien que c'était une possibilité pour elle dans sa vie, mais elle y croyait pas assez fort. Il a fallu un petit peu la pousser, quoi. Ben, du coup, son potentiel, on a toujours su qu'il était là et on savait qu'elle pouvait y arriver. Mais avant de s'imaginer sur les podiums à enchaîner les défilés, la jeune fille d'origine sénégalaise veut d'abord penser à ses études. Toute récente bachelière, Mégane s'est inscrite en filière droit pour l'an prochain. Un choix qui rassure sa mère, un peu inquiète de voir sa fille se lancer dans le mannequinat. On sait bien que ce milieu-là, faut faire attention. Faut lui donner des préventions, faut qu'elle fasse attention. Voilà. On reste en retrait, mais effectivement, on écoute, on voit, on essaye de se renseigner. On voit jusqu'où ça va aller. La prochaine étape pour Mégane, c'est donc le casting national fin août dans l'enceinte du Carrousel du Louvre. Face à elle, 70 jeunes filles tout aussi jolies venues des quatre coins de la France. Et pour la grande gagnante, la signature d'un contrat de 2 ans avec l'agence Elite, l'assurance de travailler avec les plus grands créateurs de la planète.